Salutations à tous, chers amis, c'est Guillaume Couture qui est avec vous pour le compte de l'Alliance française d'Halifax. J'ai avec moi de la belle jeunesse des récipiendaires pour ce qui est du prix euh, des Alliances françaises, en fait la francophonie qui est mise à l'honneur, et euh, j'ai avec moi trois récipiendaires de ce prix qui reviennent tout juste d'un séjour au Franco Forum de Saint-Pierre et Miquelon. Et ma première invitée, il s'agit de Anna-Maria garnichenou qui est de l'Université d'Alaouzi, qui est la lauréate de l'année 2020, mais son voyage a été reporté à cause d'une certaine pandémie. Anna-Maria, bonjour. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Pas mal, pas mal. Non? Oui, donc ouais. de retour de voyage comme ça, ça ouais. fait des belles histoires à raconter. Bien sûr que oui, oui. Parlant d'histoire, <laughs> euh, c'est euh, un parcours, euh, un concours académique dont euh, tu as remporté euh, ce fameux prix afin d'aller euh, à Saint-Pierre et Miquelon pour euh, parfaire euh, cet apprentissage du français. Euh, grâce à quel projet, grâce à quel. Euh, Travail, je peux dire, que, que tu as présenté et qui t'a permis de remporter ce concours. Donc, euh, j'ai écrit une petite histoire à propos de, de comment j'ai appris le français dès, dès qu'on est venu au Canada, de la Roumanie. On avait une voisine française, elle s'appelait Arlette. Et euh, à cause, euh, donc, mes parents ont dû apprendre le français pour venir au Canada. Et donc, moi aussi, j'ai appris le, euh, le, le français comme eux. Et donc, c'est grâce à cette dame que j'ai commencé à apprendre le français et oui, ça a continué. Anna Maria, tu l'as dit, tu es née en Roumanie, plus précisément à Bucarest. Et tu me disais tout à l'heure que tu es arrivée au Canada, plus précisément en Ontario, à l'âge de deux ans. Euh, le français est ta seconde ou troisième langue que tu apprends? En fait, je crois que j'ai appris les trois langues en même temps le roumain, le français et l'anglais, parce que à la maison on parlait le roumain avec les voisins, euh, l'anglais ou le français, et puis avec euh, les amis à l'école c'était l'anglais et le français. C'est plutôt l'anglais euh, dans la cour, mais avec les professeurs en français. Donc euh, toutes les trois langues en même temps, et maintenant je continue à mélanger toutes les trois langues ensemble. Mais oui. Eh bien, euh, ça semble te réussir, ma chère amie, puisque tu remportes des concours organisés par les différentes alliances françaises. Euh, lors de ton séjour à Saint-Pierre et Miquelon, euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Parce qu'on s'entend que c'est un territoire qui est assez singulier, qui oui. est assez particulier. Euh, qu'est-ce qui t'a euh, marqué principalement dans cette expérience-là? Je crois que quand on, qu on peut dire que c'était la gentillesse de, de tout le monde. Euh, donc tout le monde disait bonjour. Ça, ça m'a vraiment choqué un peu parce que on passait par on, des inconnus. Ils disaient bonjour, 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 bonsoir. Et l'heure du bonsoir, on sait même pas à quelle heure. Mais on, à un moment donné, on disait bonsoir aussi. Mais euh, non, la gentillesse. Euh, je suis allée à la librairie. Et acheté des livres, mais on m'a aussi donné quelque chose pour que le, le vin que j'ai apporté avec moi ne se casse pas dans la valise. Donc j'ai pas demandé. Ils ont juste vu que j'avais du vin avec moi. Ils ont dit Est-ce que tu as quelque chose pour le vin J'ai dit euh, ma valise avec des vêtements. Mais non, ils m'ont donné sans, sans que je le demande. Ouais. Tu étudies à l'université d'Alaouzi. Est-ce qu'on peut savoir dans quel programme précisément Anna-Maria Donc euh, moi, je fais une double majeure de biochimie et français. Alors, je ne pouvais pas choisir entre les langues et les sciences. Alors, j'ai choisi de continuer avec les deux. Et oui, voilà, je parle français et je sais les sciences. <laughs> Et avec euh, ce ou ces papiers-là en poche, euh, où est-ce que tu te vois dans ta carrière idéale, Anna Maria? J'aimerais être euh, docteur de famille et pouvoir euh, communiquer avec euh, ceux qui parlent français, ceux qui parlent anglais, parce que c'est important de pouvoir communiquer avec... Ce qui entre dans le cabinet, c'est pas c'est pas à, à travers un, un traducteur, parce qu'il y a des choses qui se perdent. Euh, et donc, c'est mieux qu'on peut parler avec les gens comme ça, et non pas « toi, tu dis ça, puis tu lui dis ça, puis il te demande ça, mais tu... » Donc, c'est mieux qu'on peut parler avec les gens de, dans leur propre langue. Donc, voilà. Et si je peux euh, demander, euh, ta famille actuellement demeure à quel endroit exactement Ici. Ici même à Halifax à Bedford, mais... À Bedford, à Bedford mais... <laughs> oui, on est tous là. Euh, mes cousins, on monte un peu la rue. Euh, mes grands-parents, c'est de l'autre côté de la rue, mais on est tous là. Intéressant. Ouais. Donc, on s'entend que, dans l'idéal, tu comptes pratiquer la médecine ici même en Nouvelle-Écosse. Oui. Bien. Oui. Et euh, où en es-tu dans ton parcours académique, Anna-Maria euh, je viens de finir euh, mes premières quatre ans, donc euh, le bachelor's, mm -hmm, euh, le, ba euh, le baccalauréat. Baccalauréat, ok, mm -hmm. ma licence, je crois, on, on peut mm -hmm. dire aussi. Um, et maintenant, je dois prendre quelques tests et puis faire ma demande à des écoles, peut-être l'école ici, à Dalhousie. Mm -hmm. Et parlant justement de Dalhousie, euh, comment tu vendrais, comment tu présenterais ton université pour quelqu'un qui viendrait euh, y étudier? Comment tu encouragerais quelqu'un à adopter l'université d'Alaouzi? Hmm. Intéressante question. Merci. Oui. <rire> <rire> Les... Les profs sont super gentils ici aussi. <rire> <rire> um, ils savent répondre aux questions. Et ils n'ont pas peur de, de vraiment pousser les étudiants un peu, je trouve. S'ils voient que tu peux aller plus loin, ben ils, vont, ils vont faire ça. Et euh, au, au moins les profs de français à Dalhousie, ils sont super. Mais <laughs> euh, oui, donc s'il si, y a des questions, on peut les demander des questions, ils répondent aux questions, euh, on peut les voir. Aux heures de bureau, on peut parler. Donc, non, c'est... Oui, c'est encore une fois euh, les gens qui sont très accueillants. Et comment euh, trouves-tu le, le traitement euh, que tu as par euh, l'Alliance française Parce qu'on s'entend que c'est un, un quotidien qui est quand même... Hors du commun ces temps-ci, vous vous tu remportes un prix, tu vas à Saint-Pierre-et-Miquelon, on fait l'entrevue en ce moment, il y a d'autres rencontres qui sont prévues dans l'immédiat. Comment tu vis cette, cette expérience-là, finalement, d'être sous le projecteur, si je peux dire, d'avoir l'attention? Ah, c'est intéressant, c'est pas, pas mon quotidien... Du tout. Um, C'est amusant de voir des photos sur Insta avec euh, le groupe et ce qu'on a fait là, mais j'aime être un peu plus. pas vedette, <laughs> parce que. Euh, ouais, j'aime être à la maison avec euh, ma famille et tout ça, donc. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le voyage. Euh, J'ai appris des choses que j'aurais pas pu apprendre si je n'étais pas là, mais. j'aime aussi être un peu. Euh, chez moi, rester par là, oui. Et est-ce que tu peux nous rappeler ton âge, s'il te plaît, Anna-Maria? J'ai 21 ans, oui. Ben, ça permet euh, d'y prendre goût, finalement, à cette euh, visibilité-là, parce qu'on s'entend que dans une communauté, euh, le ou la médecin euh, attire toujours beaucoup l'attention en termes de reconnaissance aussi. Euh, je te souhaite absolument euh, tout le succès que tu mérites, ma chère. Et avec des distinctions comme celle-là, euh, via le concours de l'Alliance française, eh bien, laisse-moi dire que moi, je suis impressionné. Et, Merci euh, beaucoup, monsieur. Très chouette personnalité. Et franchement, je te remercie pour cet échange-là que tu nous as accordé euh, ici, euh, dans les bureaux de l'Alliance française. Et je te souhaite euh, une excellente journée, ma chère. Merci à vous aussi, monsieur. C'était Anna-Maria Garnicienou de l'Université d'Alausie qui euh, nous partageait son euh, un épisode par rapport à son prix remporté via le prix du Consulat des Alliances françaises.